terminé, Maxon. Vous avez fait un travail exemplaire, Paladin. Nous n'aurions jamais pu l'emporter aujourd'hui, sans la loyauté sans faille dont vous avez fait preuve envers notre cause. Alors on a gagné? Absolument. L'Institut a cessé d'exister. Il ne troublera plus la paix du monde. Il est temps de refermer ce chapitre de l'histoire du Commonwealth et d'en ouvrir un nouveau. Que voulez-vous dire, aîné? Cela signifie que nous avons encore un long chemin à parcourir pour garantir la sécurité du Commonwealth et de ses habitants. Mais le moment est mal choisi pour en parler. Retournez au Pridwen et nous déciderons de ce qu'il convient de faire. Occupé pour le moment. Nous parlerons plus tard. Je suis ravi de vous revoir, Paladin. Le capitaine Kells et moi voudrions vous parler. Capitaine Kells? Comme l'aîné Maxon a déjà dû vous le dire, la destruction de l'Institut n'est que la première étape de nos opérations dans le Commonwealth. Nous devons encore nous occuper des super-mutants et des ghouls sauvages, ainsi que des synthétiques qui ont survécu à l'explosion. Nous espérons que vous continuerez à servir la confrérie et à nous aider à éradiquer ces menaces. Mais vous allez où? Je n'ai pas terminé. Excusez-moi, aîné Maxon? Je suis ravi de vous revoir, Paladin. Le capitaine Kells et moi voudrions vous parler. Capitaine Kells? Comme l'aîné Maxon a déjà dû vous le dire, la destruction de l'Institut n'est que la première étape de nos opérations dans le Commonwealth. Nous devons encore nous occuper des super-mutants et des ghouls sauvages, ainsi que des synthétiques qui ont survécu à l'explosion. Nous espérons que vous continuerez à servir la confrérie et à nous aider à éradiquer ces menaces. Je crois que j'ai eu mon compte de combat. Cette campagne nous a tous affectés, Paladin. Je comprends votre hésitation. Vous n'avez pas besoin de vous remettre en selle tout de suite. Prenez votre temps, et quand vous le souhaiterez, vous aurez votre choix de mission à accomplir. Au vu de vos états de service, le capitaine Kells et moi pensons que vous méritez une reconnaissance unique pour vos contributions, passées et à venir. C'est donc avec grand plaisir et tout notre respect que nous vous accordons le titre de Sentinelle. C'est le plus grand honneur qu'un soldat de la confrérie puisse obtenir. Mais nous pensons tous deux que vous le méritez amplement. De plus, nous aimerions vous offrir ce module de propulsion pour votre armure assistée. La confrérie ne possède que très peu d'appareils de ce genre, mais nous pensons que vous méritez d'en avoir un. Félicitations, Sentinelle. C'est un honneur de servir à vos côtés. Merci, à tous les deux. C'est un grand honneur. Tout l'honneur est pour nous. Bien, Sentinelle. Pour la première fois depuis notre rencontre, je n'ai aucun ordre à vous donner. Dorénavant, vous déciderez vous-même des missions à exécuter et de la façon dont vous souhaitez nous guider. Le capitaine Kells et le personnel du commissariat de Cambridge ont encore beaucoup de travail en réserve. À vous de voir ce que vous souhaitez faire. Ad victoriam, Sentinelle. Aucune machine ne devrait avoir le libre arbitre. Quoi ? Vous le rendre beaucoup synthétique et ça a du mal à passer. Les systèmes.